108 jours sans gel au pic du Midi à 2877 mètres d'altitude, c'est le nouveau record établi cet été. La précédente série sans température négative était de 77 jours. Un été chaud, mais sans excès, un automne très ensoleillé explique cette douceur et surtout sa longueur inhabituelle. Dernier témoignage du réchauffement climatique. Au pic du Midi, où il y a des mesures depuis 1882, on voit très nettement, on a des collègues d'ailleurs de l'Observatoire qui ont publié des évolutions des températures sur la longue durée, où on voit une augmentation significative des températures minimales à l'échelle d'un siècle observée au pic du Midi. Des mesures effectuées dans cet autre centre installé à Lannemezan complètent les données enregistrées au pic. La température moyenne de l'air a augmenté de 1,1 degré depuis 1900 dans les Pyrénées et les années après l'an 2000 concentrent les 8 étés les plus chauds depuis 1950. Toutes ces données convergent donc pour mesurer les effets du changement climatique, avec comme autre résultat notable et même spectaculaire la lente et inexorable fonte de la vingtaine de glaciers recensés dans les Pyrénées, disparition annoncée à l'horizon 2050. La disparition de tourbières, des évolutions sur la faune, en particulier les oiseaux et la flore, montre que le réchauffement climatique se vit, se voit et saute même aux yeux dans les Pyrénées.